là par exemple je suis à Miami, bah, je suis pas dans un hôtel de ouf, tu vois. Je suis dans un petit appartement que j'ai loué, voilà, tu vois, mais des fois tu te dis c'est relou, tu vois. Mais voilà, après faire de la gratitude, déjà je voyage, je fais ce que je veux, etc. Et donc je vais pas me plaindre non plus, tu vois. Mais pour te dire que c'est vrai que c'est pas facile et que je comprends tout à fait. Mais maintenant, faut, voilà, c'est où tu mets tes priorités. Faut savoir où tu mets tes priorités. C'est tout. Moi, j'ai des objectifs précis, clairs. Et pour les atteindre, ben, faut un comportement précis, clair aussi. Tu vois, je peux pas me permettre. Donc voilà comment je fais. Donc je résume comment je fais. En gros, je pense toujours long terme. Je reste focus sur mon objectif. À chaque fois que je sors mon argent, je pense toujours, est-ce que cet argent-là, il va me rapporter de l'argent ou est-ce qu'il va m'éloigner de mes objectifs? Tu vois? Et donc après, je m'adapte. Mais je peux pas. J'ai trop intégré le fait que l'argent d'abord, il faut d'abord l'investir, acheter des actifs. Et après, une fois que les actifs vont te rapporter de l'argent, là, tu peux dépenser ton argent. En plus, je peux pas raconter ça dans les vidéos. Parce que ce que je raconte dans les vidéos, c'est ce que je mets en pratique. Hein. Moi, c'est conscientisé, je peux pas faire autrement. Donc maintenant, c'est un choix. Moi, je comprends tout à fait, je juge pas les gens qui dépensent. Je comprends tout à fait, c'est super relou. Maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, ben voilà, il n'y aura pas les mêmes résultats, tu vois. Sous le coup, on a l'impression que leur vie, elle déchire, elle est beaucoup mieux, tu vois. Mais sur 5 ans, dans 10 ans, si jamais tu fais les choses correctement, tu investis, tu toucheras tes euros, ben après, tu es tranquille. Tu es libre, géographiquement. Là, je suis à Miami. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Mais voilà, après, tu as quelques années où tu vas, entre guillemets, te sacrifier. Entre guillemets. Ils ne sont pas appelés ça un sacrifice. Hein. Ma vie, c'est pas un sacrifice. Là. T'as l'impression que c'est un sacrifice? Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a demandé du travail pour arriver jusque-là. C'est vrai. De toute façon, ça, faut le dire. C'est vrai que les gens disent souvent ça. Ouais, vous. Les gens, ils disent pas assez qu'il faut travailler. Bah alors, je le dis là. Bien sûr qu'il faut bosser, gars. Et que les choses ne sont pas faciles, il n'y a rien qui est facile. Avoir un corps que tu veux, c'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile en fait. Avoir un business qui fonctionne, c'est pas facile. Rien n'est facile. C'est facile pour personne. Tous les gens que tu vois qui ont réussi, c'est pas un événement d'un coup, c'est qu'ils ont travaillé dur pour pouvoir arriver là où ils en sont. Donc voilà, nous ne cherchons pas d'excuses. Maintenant, de dire que c'est possible, oui, c'est possible. C'est tout. C'est juste une question de volonté, de persévérance, se former pour avoir les bonnes informations, pour aller plus vite. Et d'où maintenant la logique de se former. Parce que quand tu as compris ça, tu n'as plus envie de perdre du temps. Parce que déjà, ça prend quand même du temps pour pouvoir générer du cash et pouvoir être indépendant financièrement. Alors, si en plus, tu perds du temps à prendre des infos à droite à gauche qui sont gratuites sur Internet, au lieu d'avoir une formation qui dit exactement comment aller directement, le plus rapidement possible, avoir les raccourcis et aller directement dans le vif du sujet, tu vois, et commencer à avoir tes premiers résultats, mec, tu perds du temps, t'es malade. Moi, j'ai plus le temps de perdre du temps. Donc, je me forme tout le temps. Dès que j'ai un obstacle, ok, qui est-ce qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a une formation en ligne qui peut m'aider à traverser cet obstacle-là? Ou sinon, est-ce que je peux m'entourer de quelqu'un qui a les compétences qui pourra m'aider à passer cet obstacle-là? Mais je suis pas là en train d'essayer de chercher machin, j'ai pas le temps. Et toi aussi, tu dois penser comme ça. Le temps, c'est la valeur la plus précieuse que tu as. Toutes les secondes qui passent là, on ne peut plus les récupérer, c'est fini. L'argent, tu vas réussir à le récupérer, ça vient, ça part, tu vas réussir. On regarde le nombre de fois où t'as perdu de l'argent. Où t'as dépensé de l'argent pendant toute ta vie. T'as dépensé de l'argent, acheté des bêtises, des baskets, des télés, tout ça. Mais t'es encore vivant. T'as encore de l'argent, t'arrives à vivre. Mais le temps, mec, tu peux pas le récupérer. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans la bio, si jamais tu es sur Instagram. Sur YouTube, tu cliques dans la description. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir des business ni de compétences sur Internet. Elle est offerte, les gars. Au moins, tu commences à passer à l'action sérieusement. Donc, c'est où tu passes à l'action ou tu dors, hein, les gars. Il y a eux, il y a nous. Hein. Choisis ton corps, mon gars.